Bonjour à tous et bienvenue pour cette 8e et dernière journée du Group Stage. Les Worlds qui reprennent leurs droits toute l'après-midi. Je suis Croc, toujours fidèle au poste. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Glopo et Gardoum. Comment ça va, messieurs? Et yo, ça va très très bien et chaud bouillant parce que là, les trois équipes européennes de qualifiées, c'est merveilleux. Dis pas n'importe quoi, Glopo. Ce qui est important, c'est nos couleurs bleues ici aux couleurs des Liquid, tous les trois. C'est vrai. Et ça, c'est le point important aussi. Grave chaud pour cette journée. C'est vrai qu'on est tous les trois aux couleurs Liquid. Voyons ce qu'ils donneront aujourd'hui dans ce groupe. On le rappelle, les Group Stage, c'est les 16 meilleures équipes du monde qui s'affrontent pour et seulement 8 places pour aller à Madrid. Aujourd'hui, ils sont à Berlin et il y a encore 4 équipes qui doivent essayer de se battre pour les 2 places restantes. On va en parler évidemment pendant ce pré-show avant de retrouver les équipes un peu plus tard dans la journée. Mais avant, faisons un récap de ce qui s'est passé hier parce qu'on a eu la victoire magnifique de Fnatic face à RNG, leur sortie dans le groupe. Le récapitulatif est fait par Chamalo. Reportage, c'est parti. Le match d'hier, c'était le retour des chocs des titans avec SKT contre RNG. C'était hyper serré. Les Chinois avaient le lead sur leur limit game et arrivent à prendre un Ashor à 22 minutes de jeu. Mais 10 minutes plus tard, les RNG engagent un fight en mettant tout sur Leona, permettant aux SKT de se retourner et de pulvériser les RNG. 5 kills à 1 pour SKT qui run au mid pour récupérer la T2, T3, l'inhibiteur, les 2 T4 et le Nexus en one shot. Après ce match de folie, c'était Fnatic contre Clutch Gaming et on a enfin eu un AD carry sur Reckless. Même en ayant le lead, Fnatic était super hésitant, il voulait prendre zéro risque mais du coup il faisait pas grand chose. La game a duré 47 minutes avec une égalité parfaite au gold. Mais heureusement, les Européens gagnent cette partie hyper importante pour espérer se qualifier en quart de finale et au passage, ça renvoie l'équipe américaine à la maison pour notre plus grand plaisir. Après le match de chauffe, c'était le match of the day avec Fnatic contre SKT. Et mon dieu, quel step-up de la part de Fnatic! Ils ont mis un rythme de malade pendant toute la partie. SKT a eu zéro répit. Ça faisait grave plaisir de voir notre équipe européenne jouer de cette façon, prendre l'avantage et plus le lâcher, il y a encore espoir pour que Fnatic passe la phase de poule. Ensuite, les Clutch affrontaient les RNG, ils se sont bien débrouillés en early mid game mais il y avait un énorme gap de niveau macro entre les deux équipes. RNG arrive à choper tous les Drake et un Ashor en ninja et termine cette partie juste après. Bon après c'était SKT contre Clutch et comme vous vous en doutez, les SKT ont éclaté les Clutch. Pas grand chose à dire de plus si ce n'est que les Clutch ont montré un meilleur niveau mais terminent quand même cette phase de groupe avec 0 victoire pour 6 défaites. Ensuite, c'était THE match important. Le match qui déterminait qui entre Fnatic et RNG allait continuer l'aventure. Et Fnatic nous a encore fait une game de folie avec un rythme de psychopathe et des gangs de Broxah au bot très tôt dans la partie. Sans parler de Nemesis qui se rendait dispo pour son équipe, il était impressionnant. Ça a permis à Fnatic de prendre le lead très tôt dans la partie, et comme pour SKT, ils l'ont pas lâché et la chance était de leur côté avec 2 Drake Inferno et 2 Drake des montagnes qui ont beaucoup aidé. Au final, Fnatic comptabilise 3 victoires pour les matchs retour et termine donc 6-2 de ce groupe. Pour la première fois, l'Europe a 3 équipes en quart de finale, et comme elles sont toutes les 3 6-2, elles ne peuvent pas s'affronter. Quelle journée effectivement hier des Fnatic qui s'imposent face à des RNG qui gagnent même face à SKT. Qu'est-ce que vous avez pensé de la journée d'hier et est-ce que ça vous a fait plaisir évidemment? Jouer des AD carry c'est pas mal, ça fonctionne bien et il y a le côté intéressant où à première vue ça peut pas s'affronter en quart du coup c'est toujours très bon ça pour l'Europe. Globo. En vrai c'était attendu quoi, c'est un petit peu le running gag de Fnatic, ils aiment bien nous faire peur et puis voilà ils ont été à la hauteur de leur réputation et dans tous les cas on est très contents qu'ils sortent. Bon encore une équipe américaine qui sort, l'équipe RNG également hein, sortie sur civière après eh bien, la victoire de Fnatic, c'est dur pour Uzi j'imagine mais ça fait partie du jeu, le groupe c'était un groupe de la mort, il y aurait une grosse équipe qui tomberait, ça pouvait être RNG, ça pouvait être SKT, ça pouvait être Fnatic et c'est finalement RNG. Ça pouvait pas être SKT mon bro. ça pouvait difficilement être SKT, en plus il a parlé à son plus grand fan. Ouais. Donc, du coup. Non, c'est sûr. Bon, 1, 2, 3 équipes de qualifiés. Vous allez le voir, groupe A, les Griffins qui se qualifient en premier seed et les G2, donc première équipe européenne qui se qualifie. Le groupe B, la deuxième équipe, c'est Splice, vous le voyez ici. Les Fun plus Phoenix s'étant qualifiés en premier seed. Et groupe C, SKT Lycom en premier et Fnatic en second. Il nous reste donc un groupe D à départager avec 3 équipes asiatiques et une équipe américaine. Mais avant, bah, fêtons cette victoire. Les réseaux sociaux nous ont enchantés et on a un pur petit produit au gaming. On se retrouve juste après, regardez.
Merci Yume, merci pour cette magnifique vidéo. Ça a dansé ici, c'était devenu un dance floor, la lumière, Carnage qui nous avait tout arrangé, enfin fantastique. Honnêtement, trois équipes européennes, on ne peut pas demander mieux. Aujourd'hui, il pourrait y avoir trois équipes coréennes qui se qualifient après la qualification de Griffin, celle de SKT, peut-être Damwon pour aller chercher un troisième seed 1 et donc aller affronter peut-être les trois seeds 2 européens. On va le voir, regardez le planning tout simplement de cette journée avec un début AHQ contre Invictus Gaming, il me semble dès 14h, donc dans quelques minutes. On a également les Team Liquid qui vont rentrer dans l'arène pour le game 2, Damwon. 3 et 5, il me semble. Ouais. Team Liquid Damwon, donc en deuxième match, ça va être déjà une grosse affiche. Moi, j'ai un petit problème, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir un pouvoir de marabout, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que tous mes pick-em sont ratés. Dès que j'annonce Fnatic sort, Fnatic gagne. J'avais annoncé Cloud9 sort, Cloud9 perd. J'annonce que Liquid sort aujourd'hui, c'est-à-dire que Liquid va sortir des poules. J'ai l'impression qu'ils vont perdre. J'ai l'impression d'avoir un pouvoir, mais pas dans le sens qui m'arrange. Caster l'NA a peut-être un impact. Certainement, en tout cas oui, c'est vrai que le match of the day, la rencontre que l'on attend, c'est Team Liquid contre Damwon. À l'aller, ça s'était soldé par une victoire de Team Liquid, Damwon derrière qui bat Invictus Gaming qui bat Team Liquid. Donc pour moi, on a le trio qu'il faudra départager, et on a cette équipe taïwanaise à HQ qui fait un petit peu figure de ticket gratuit. Mais s'ils font un 3-0 aujourd'hui, ça pourrait venir compliquer l'équation. Je vous avoue que le Invictus Team Damwon m'intéresse aussi tout particulièrement pour voir qui pourrait sortir premier de ce groupe. C'est deux équipes que je vois favorites aujourd'hui, mais on en reparlera puisqu'on va aborder chacune de ces équipes. Passons du côté des réseaux sociaux. On est allé scruter une nouvelle fois ce qui se passait et on s'est surtout rappelé avec Lopo hier que Double Lift a fait une annonce. Et Double Lift a fait une annonce quand il a vu les groupes, tout simplement. Finally made it out of groups, tout simplement. En vrai, il est trop fort. En vrai, j'adore ce mec. En vrai, il a des balls en titane, en acier. Parce que le mec, il faut quand même rappeler qu'il a une malédiction qui le suit depuis le début de sa carrière, c'est que systématiquement, sur les événements internationaux, il n'arrive pas à sortir des groupes. Et là il ouvre sa bouche pour s'exprimer et dire ça. Alors maintenant, il est attendu, il va falloir assurer. Ouais. Et je crois en plus que c'est pas le seul de l'équipe. C'est le vice-champion du MSI, tu vois, du coup ça passe quand c'est même. Vrai, il y a un truc. Et faut reconnaître que ce gars, en interview, si la game a été puante, on se souvient d'ailleurs face à HQ, en interview après il descend, mais toute sa team, tu vois, c'est genre ils ont int, on a été nuls, on n'aurait pas dû gagner. Enfin, il est très vrai du début à la fin. Ouais, vous avez vu que Perks a répondu, hein, pense à ne pas oublier à utiliser ton flash. La réponse est bonne. Voilà, la réponse est toujours très bonne. Donc ça c'était pour Double Lift, mais comme tu le disais, c'est pas le seul qui avait fait cette annonce. Et du coup, forcément, on peut voir les choses s'obscurcir parce que Jensen, lui aussi, le même jour, à la même heure, pendant le tirage, avait fait cette même annonce. En vrai, c'est magnifique parce qu'il y en a pas un pour attraper l'autre. C'est magique. Et du coup, Jensen qu'on avait vu en plus en finale face à Cloud9, donc il y avait un combat d'ego en plus face à Niski. Donc Jensen qui s'illustre aussi par sa verve, par sa capacité à parler et à faire parler son ego. Là, on a quand même un duo gagnant, je trouve, avec Double Lift et Jensen. Et c'est autant de raisons qui vont rendre cette journée très intéressante par le prisme du dernier espoir flamboyant de la région nord-américaine dans ces Worlds. Voilà, et effectivement, les messages se succèdent, mais ne changent pas. Jensen, du coup, déjà rentré à la maison. Forcément, ça n'inspire pas la confiance. On verra donc ce qui se passe. Alors que nous, côté LEC, c'est Cocorico, c'est toute l'Europe qui est contente. Vous allez le voir dans ce dernier tweet qu'ils ont fait. Évidemment, la classique du folder. Et évidemment, le folder est vide. Pourquoi ? Parce que le dossier ne peut pas être rempli vu que nos trois équipes sont encore en course et elles iront à Madrid pour la suite de la compétition, à savoir les quarts de finale, sachant qu'en plus, elles ne peuvent pas se rencontrer. Eh bien, forcément, ça rassure en partie. Même si certains auraient dit, un groupe 1, un groupe 2, on les refait se rencontrer, on est sûr d'aller en demi-finale. Mais bon, ça, c'est une autre question. Là, je pense que les équipes, en fait, vont attendre un truc, c'est de se dire que Liquid, par miracle, sorte premier de ce groupe-là. Comme ça, n'importe quelle équipe européenne qui affronte Liquid peut gagner. Mais objectivement parlant, c'est-à-dire autant je vois Liquid sortir des groupes, autant je pense que n'importe quelle équipe EU peut les éclater. Peu, attention. Eh bien, avant de passer à Team Liquid, ouvrons finalement cette boîte autour des équipes du groupe D, le dernier groupe à aller jouer. On commence, si vous voulez, avec AHQ, cette équipe qui pour l'instant est en 0-3. Comme les Hong Kong Attitude, ils n'ont pas du tout pris de points dans la première semaine. Et du coup, est-ce que ça s'annonce très compliqué pour eux ou l'upset est possible? On a déjà vu des AHQ dans d'autres périodes de League of Legends prendre des games à des mastodontes. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, sur la fin, à l'instar de ce qu'a proposé Fnatic, on voit que les équipes, quand l'heure de vérité approche, quand le couperet est en train de tomber, ils se mettent à jouer sérieusement. Et les surprises, elles se font plutôt au début. Donc là, à HQ, sur la période où ils avaient peut-être le plus de chance, ils font 0 victoire. Ça me semble extrêmement compliqué, Gardoum. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je les sens pas, parce qu'en plus, on sait que la LMS, année après année, le niveau baisse, malheureusement, pour cette région qui a quand même été très forte, sur des flash walls et tout, il y avait quand même du gros niveau. Mais quand le niveau de ta région baisse, forcément, en termes d'équipe, c'est très dur toi-même de step up si t'affrontes pas plus fort. Donc là, c'est bien, ils vont step up sur ces Worlds. Le truc, c'est que t'arrives au moment où
il faut montrer ton meilleur niveau et je suis pas sûr qu'ils aient un niveau supérieur à celui qu'on a vu. Honnêtement, je pense qu'il y a une histoire de planning, on va pouvoir en parler, mais est-ce que c'est pas dur pour HQ de commencer par Invictus, sachant que le 0-4 te met presque hors jeu, alors qu'ils auraient pu être, imaginons, face à un Team Liquid ou peut-être face à Damwon, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça aurait pu être plus facile. En vrai, c'est ton cœur de fanboy chinois qui parle et qui place Eddie comme le géant, mais en vrai, je pense que tu te mets à la place de HQ, tu demandes qui ils veulent choisir, c'est leur demander de choisir entre la peste et le choléra. Ouais. Ok, bon, HQ, du coup, pas de porte de sortie pour eux. Non. Passons du coup tout de suite à la deuxième équipe, passons à Team Liquid, les derniers espoirs américains après la sortie de CG, après la sortie de Cloud9, après la sortie de TSM. Je sais que certains ont toujours à cœur de citer cette équipe. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette équipe Team Liquid? Comment elle a évolué dans cette première semaine? Et évidemment, après, on ira chercher des points forts dans cette Team Liquid pour pouvoir aller affronter leurs autres équipes. Beaucoup de grosses individualités dans cette équipe Team Liquid, un double lift revanchard qui a quand même une malédiction à venir briser sur la bot lane. Sur la top lane, on a eu Impact qui a été monstrueux face à Nuguri avec dans le match-up Aatrox contre Vlad. Il a été, franchement, il avait la carrure d'un top laner international. Si jamais il est dans cet état de forme, on peut vraiment avoir une équipe Team Liquid qui peut faire de grosses surprises. On va peut-être pouvoir jeter un oeil sur les stats, effectivement. Ouais, Impact qui a joué un gros Aatrox, entre autres, si on rentre dans le match-up, c'était face au Vladimir de Nuguri, un Nuguri qui prenait beaucoup de risques en prenant son itemisation à base de kleptomancie qu'on a renommé Nuguri Monopoly, mais il a été très bon sur trois champions différents, il amène beaucoup de solutions pour son équipe, mais le problème c'est qu'il peut pas tout faire non plus tout seul sur la top lane. Il peut pas tout faire, et encore dans la game contre HQ, la fameuse game terrible des Liquid, c'est lui qui a soulevé la game à mon avis avec son Renekton, il a été vraiment exceptionnel. Et Impact, j'ai l'impression que durant l'année, tu vois, tu dis toujours il est fort, c'est Impact, c'est un champion du monde, mais des moments il est un peu plus faible. Au MSI, il a tout détruit Impact, la sortie épique beaucoup plus carry que ce qu'on avait vu, il a été fort dessus. Sur ces worlds, c'est pareil, t'as l'impression que c'est vraiment un mec des grands rendez-vous, tu vois, c'est que s'il faut être là pour sa team, il va être là, il va éclater les gens, ses mates sont en train de feed, puisque Double Lift peut dire ma team a feed, mais oui, c'était ça. Impact toujours présent, et ça fait super plaisir de voir que le joueur, bah, il a été champion du monde, il est toujours au top niveau, quoi, c'est très agréable. Son coéquipier, c'est le jungler Xmity, et Xmity a quelques mots à nous dire. Il nous parle de sa rencontre face à Damwon, qu'il pressent pas forcément d'une bonne façon. Regardez. I think Damwon's probably the hardest, just like playing as a jungler. I think they play around him really well. And their team comp is pretty much just like mostly like the jungler is mostly the carry, so like they play Lee Sin or they play Taliyah. So I think the way for us to counter that is just like play around or like our strong lanes that we have like advantages to, because usually they pick really passive early game champions and usually we pick like strong early lane champions. So if we just play around that, I think we'll be better. Voilà, Xmity qui nous parle de sa rencontre future face à Damwon, où il dit bah, nous on prend des champions fort early, il faut qu'on en profite parce que sinon le scaling sera du côté Damwon. Tu confirmes, ouais. Glopo? Oui, ben, j'aurais bien aimé qu'il se mouille davantage parce qu'il dit il faut jouer sur les lanes sur lesquelles on est fort, mais derrière on aimerait bien qu'il donne des exemples, et pour le coup il s'est pas mouillé. Bon, et pour compléter ce que je disais aussi sur les différentes individualités, on a Jensen aussi sur la mid lane, ouais, qui a fait une très très belle fin de saison régulière sur le Summer Split, et derrière qui nous a sorti une Leblanc monstrueuse. Et puis Kord.jj sur la botlane avec, ouais, Double Lift. Jensen, il a aussi sorti une Orianna, quoi. Alors attention. C'est-à-dire que Jensen, moi je suis du mal, parce que c'est un joueur qui, je trouve, est très fort au niveau NA, et toujours à un moment dans les grands rendez-vous, tu sens qu'il va pas être au niveau des autres midlaner worlds. Là où t'en as qui vont hard step up dès qu'il y a un grand rendez-vous, Jensen, c'est soit il est à son top niveau habituel, qui est très fort, hein, qu'on soit d'accord, il n'y a pas de souci, soit il va être en dessous, mais j'ai vraiment l'impression que dans le gros alignement, il va pas réussir à devenir Super Saiyan, quoi, Super Jensen. À voir. Moi, ça Leblanc m'a vraiment convaincu, mais c'est vrai que un coup c'est là. En tout cas, aujourd'hui, il va falloir qu'il soit chaud. Ouais, mais on a vu des midlaners occidentaux qui se sont bien réveillés dans ces dernières journées, donc on peut lui accorder au moins ça. Ça, c'était pour Team Liquid. J'aimerais qu'on aborde maintenant Damwon, parce que c'est un gros morceau. C'est une équipe dont on entend beaucoup parler par les autres équipes, tout comme Invictus Gaming. Évidemment, les grosses structures qui sont déjà sorties, Ziyut, ardemment ce qui se passe du côté du groupe D, parce que c'est un groupe assez c'est ouvert, ils savent qu'il y aura des potentielles rencontres dans la suite du tournoi entre ces équipes et les leurs, et ils parlent entre autres de Nuguri, de Showmaker, de Tarzan, de Canyon, qui a fait un super début de saison, enfin de Worlds, pardon. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Elle arrive de loin, hein. Elle a commencé avec les play-in. Bah, en fait, c'est très fort, et je m'attendais vraiment à ce que Damwon choque complètement, qu'ils aient un peu de mal durant ces Worlds, et j'ai l'impression qu'ils font que step up, ce qui est assez incroyable. C'est des choses auxquelles je m'attendais pas. Et Damwon, c'est vrai que les autres équipes en parlent, mais même tu regardes Twitter, les joueurs de solo queue à haut niveau en Europe, ils disent, mais dès qu'ils voient un joueur Damwon, globalement, c'est je me suis fait carry par tel joueur, ou alors il était trop fort, j'ai rien pu faire, des trucs comme ça. Donc, t'as vraiment des questions d'individualité chez Damwon qui sont incroyables, et j'ai l'impression que t'as tout
encore le côté teamplay et tout, qui font que s'améliorer durant ces Worlds. Et faut pas oublier quand même que leur coach, c'est l'ancien coach d'IG, c'est celui qui a fait gagner les champions du monde. Du coup, il y a quand même beaucoup à porter, et cette équipe qui, à mon avis, aurait pu choke, bah, c'est tout l'inverse. Ouais, on a eu peur au début qu'ils choquent, et finalement ils arrivent à prendre leurs aises, ils arrivent à révéler un peu leur potentiel. Et pour moi, cette équipe, c'est un petit peu un vent de fraîcheur sur la scène internationale. Il va falloir les suivre. Attention à la botlane. Au niveau Karyadé, c'est le point faible, le bot side. Mais encore une fois, voilà, c'est Canyon qu'il faut suivre, c'est Nuguri, c'est Showmaker sur la mid lane, c'est le top side qui peut vraiment leur apporter la victoire. Et ben, Monopoly Nuguri, il est justement avec nous, il nous dit, livre quelques mots à propos de vaincre les losing streak. On l'écoute. 2승 1패라는 성적이 되게 저희가 근데 1패를 하고 2승을 했잖아요. 저희가 좀 자국 리그에서도 연패를 탈 때는 막 4연패하고 연승을 할 때 막 4연승하고 그러는 팀이라서 일단 뒤에 2승이 붙은 게 좀 되게 의미 있는 것 같아요. Voilà, vous l'entendez, Nuguri, qu'il dit heureusement on a perdu notre premier match et finalement maintenant on est reparti, puisque si on évite les losing streaks, ça nous permet maintenant de tout gagner. En même temps, c'est ce qu'on leur souhaite aujourd'hui. Est-ce que vous attendez spécifiquement un joueur? Entre autres, on a mis pas mal Canyon en avant. Qu'est-ce que vous pouvez dire de lui, ou si c'est pas lui, quelqu'un d'autre? Nuguri, moi je suis toujours sur Nuguri, parce qu'au niveau de la top lane, en fait, on est dans une méta où c'est pas toujours facile de carry au niveau de la top lane. Ça joue beaucoup bot, parce que top, t'as rien à part le Herald à 10 minutes, et encore, les toiles, tu peux pas les taper avant 5 minutes. Enfin, c'est une vraie galère. Et je trouve comme qu'il arrive à se démarquer de façon assez incroyable, que ce soit sur son Vladimir ou autre. Il y a toujours un certain talent qui est assez monstrueux. C'est toutes les solo lanes. Glopo en a parlé juste avant. Canyon, évidemment, est là pour accentuer tout ça. Mais pour moi, Nuguri, c'est le gars qui a peut-être le potentiel le plus incroyable. Quand il se fait pas clap par impact, effectivement. Quand il se fait pas clap par impact, pour moi, ce serait plutôt l'axe mid jungle, vraiment avec Nuguri, effectivement, peut-être dans une moindre mesure, parce que voilà, il a quand même révélé des signes de faiblesse, mais vraiment l'axe de force de Damwon, c'est mid into bot side. On a vu pas mal Damwon comme le petit frère des Griffins. On en a beaucoup parlé pendant la LCK cette année. Est-ce que vous les voyez prendre exemple sur les Griffins, parce que vu la performance il y a quelques jours de Griffins, on peut s'interroger forcément sur celle de Damwon. Mais Griffins, en fait, c'est ouf. Encore une fois, c'est une team où je me dis, ils ont plus leur head coach, ça va être terrible ces Worlds, machin, ça va juste les faire descendre. Et en fait, non, ils se réveillent, ils font encore mieux que ce qui était prévu. J'ai vraiment l'impression qu'on a des équipes coréennes comme ça qui font que step up. Et si Damwon suit le chemin du grand frère, ça peut amener des quarts de finale qui vont être exceptionnels. Bah, évidemment, on leur souhaite les Damwon qu'on retrouvera donc au deuxième match, enfin un match très important déjà, puisqu'ils joueront contre Team Liquid. On va finir par Invictus Gaming, les champions du monde, bien sûr, avec donc The Shire, Rookie, Baolan, Jackie Love et l'entrée en matière de Ning. J'aimerais vous faire réagir dessus parce que Leian a été le jungler depuis quelques mois. C'est lui qui leur a permis de remonter le gauntlet avec la botlane pour pouvoir s'inscrire dans ces Worlds en troisième seed. C'est pas forcément ce qu'on pouvait attendre d'un champion du monde, mais ils sont là pour défendre leur titre et ils vont commencer avec un nouveau jungler. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Enfin, à nouveau, l'ancien champion du monde. En vrai, je trouve que par rapport aux jetons que les Chinois alignent pour ces championnats du monde, ben, RNG, c'était peut-être le plus fort. Le fait qu'il se fasse sortir, c'est assez inquiétant. On a une équipe IG qui a montré des gros signes de faiblesse. Donc, est-ce qu'au final, quand tu as voilà, une équipe qui ne perf pas au niveau auquel on l'attend, est-ce que la solution la meilleure, c'est pas de créer un changement et peut-être dans la jungle? La question est ouverte. Ça va vachement dépendre aussi de si Ning est meilleur qu'en summer split. Parce qu'il a fait un summer qui n'était pas incroyable, justement. Heureusement que Leian était là pour relever un petit peu le truc après. Mais c'est un champion du monde. Le truc, c'est que les champions du monde, on a bien vu de Samsung Galaxy, Genji, qui passe l'année suivante à des worlds complètement ratés. Voilà, t'es pas sûr d'être aussi fort un an après. Du coup, j'en attends beaucoup d'Invictus Gaming, mais en même temps, j'ose pas trop mouiller parce qu'ils n'ont plus leur coach de l'année dernière. Et aussi, le coaching staff, c'est toujours très important, à mon avis. Ouais, c'est certain. Après, pour rentrer dans le détail de Ning et Leian, que je connais bien, puisque du coup j'ai pas mal suivi la LPL, Leian étant plutôt un joueur de champion herbivore qui s'acclimatait très bien à la CJNI, on a du coup un Ning qui était beaucoup plus axé sur les Lee Sin, on se souvient des Worlds de l'année dernière. Ça pourrait faire la différence dans une méta où on demande des junglers agressifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vaut mieux avoir un Lee Sin et Lee qu'un CJNI, si j'ai bien compris? Complètement. Complètement, à mon sens. Il n'y a qu'à voir sur les top picks dans la jungle de ces Worlds. Tu as Lee Sin en numéro 1. Tu as Gragas aussi qui est très haut. Il y a Canyon qui a fait parler la Talia. Les Coréens en général qui font très, très bien parler Talia à jungle. Donc c'est quand même des picks assez agressifs qui peuvent mettre du rythme. Et moi, personnellement, c'est une méta que j'aime bien. C'est un style de jungle que j'aime bien. Peut-être que le pari sera payant. J'en attends beaucoup aussi, et je me demande s'il n'oserait pas sortir une Camille, parce qu'il nous l'a déjà fait, bah, notamment c'était l'année dernière où il a été assez exceptionnel dessus, alors qu'on sait que dans la jungle c'est devenu compliqué depuis que tu peux plus stun les mobs, mais il avait enchaîné gank après gank et tout, ça fait des IG dans le style le plus pur de la LPL qu'on connaisse, full aggression, mais full aggression qui marche, qui te fait hard snowball et qui détruit tout. Si tu fais un training, c'est peut-être pour ce genre de playstyle, ouais.
Bon, ça c'est pour Ning. Maintenant passons à un rookie. On a ses stats ici. Un rookie qui pour l'instant a trouvé ses marques petit à petit. Ils ont pas encore, de game référence pour en parler. Mais il est allé chercher une bonne Orianna, le Jace ou le Lucian. Un bon damage pourcentage puisqu'il a plus de 30% pour son équipe. Qu'est-ce qu'on peut attendre du champion du monde? Il sera du coup face entre autres à d'autres coéquipiers coréens puisque Damwon c'est des Coréens et Damwon est rookie lui aussi. Je pense que le duel, ça va être typiquement Rookie Showmaker. C'est à peu près les deux seuls midlaners dans ce groupe que je vais considérer vraiment fort. Désolé pour Jensen, hein, mais t'as un niveau au-dessus dans ces deux-là. Et leur duel midlane peut être incroyable, un petit peu à l'instar du Niski-Jensen qu'on a vu final année. Tu vois, un truc vraiment full mécanique, full tricky et voir ce que les joueurs peuvent se donner les uns aux autres. Ouais, Rookie, c'est un petit peu le midlaner monstrueux, le mutant hein, dont on a eu la révélation. Maintenant, voilà, encore une fois, IG, c'est pas au même niveau que l'an dernier. Bon, la plus grosse confrontation, c'est sur la mid lane, mais en vrai, en fonction de ce que font IG, même Jensen pourrait les faire la surprise. Hein. Donc, grosse surprise ce soir, je sens qu'on n'est pas encore serein de savoir qui vous pourrait passer. Les derniers espoirs américains du coup, qui se jouent aujourd'hui, regardons justement le planning de la journée. On commence avec, donc, je le disais, AHQ contre Invictus Gaming qui pourrait sceller le sort de la LMS et de son dernier seed, enfin sa dernière équipe engagée dans la compétition. Les Team Liquid qui joueront face à Damwon à 15h, ensuite Team Liquid face à AHQ, Damwon Invictus Gaming, très gros match à suivre, Damwon AHQ derrière et pour finir le Invictus Team Liquid qui pourrait réserver toute sa saveur parce que si Damwon gagne tous ses matchs par exemple dans un scénario de telle sorte on aurait un Invictus Team Liquid pour une deuxième place. Ça peut être incroyable, vraiment en fait c'est le groupe, c'est un des groupes où il y a le plus de hype, pas en termes d'équipes qui vont gagner ou quoi parce qu'on n'a pas d'équipe européenne hein, qu'on soit bien d'accord, mais qui est le groupe le plus serré, on a des 2-1 partout, on sait que chaque équipe peut prendre les autres sauf HQ évidemment. Mais enfin, on peut finir avec une triangulaire incroyable. Et vraiment, j'attends beaucoup de cette journée en termes de hype, en termes de qui va gagner, qui va perdre, comment ça va se passer. Parce qu'on sait que chacune des équipes a un niveau qui peut être très fluctuant. Bah, passons justement au pronostic, puisque je pense que vous êtes mouillés, messieurs, comme tous les jours. Tout le crew d'OGaming est allé chercher ses pronos. Et je vois beaucoup d'Invictus Gaming ici. Lord Tech Tech, toujours premier, qui nous distillera ses analyses et ses conseils pour mieux pronostiquer les matchs, puisqu'il sera là aujourd'hui avec nous. Nos guests qui sont allés chercher une victoire d'AHQ face à IG, contre toute attente. Zab également, mais AHQ sur une très très grosse journée. Messieurs. Je suis trop choqué, il me semblait que j'avais mis plus de Liquid que ça en fait. Mais regardons. Okay. Ah ouais, je suis déçu. J'étais sûr d'avoir du believe en Liquid et j'ai l'impression que mes mains n'ont pas été d'accord avec moi. Tu voyais pas Liquid l'emporter contre IG, Gardo? Bah peut-être pas contre IG, mais contre Damwon si, par exemple. En tout cas, on sent que la belle histoire fait pousser des ailes à certains, puisque je vois que Chips et Noix sont allés chercher du team Liquid partout, ou presque. Je le vois sur la victoire face à Damwon, la victoire face à HQ. Pour Noix, il y a même la victoire face à IG. On verra donc ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, ces équipes, et qui sortira vainqueur. On aura les tirages également à la suite de cette journée. Donc beaucoup de rebondissements durant toute la journée, puisque... Il peut y avoir des matchs, imaginons Team Liquid sort en seed 1, et bien il pourrait retrouver une équipe européenne en seed 2. Si l'équipe est en seed 2, on n'aura que des seed 2 western contre des seed 1 asiatiques. Ce serait le meilleur scénario. Ou alors non, t'imagines. Ouais, quoi que. Il y a un quart de finale EUNA, ça pourrait être incroyable. Mais c'est vrai que si on les a en demi-finale, c'est un peu mieux. Quoi. Okay. En tout cas, la semaine prochaine, ce qui est certain, c'est qu'on aura 3 équipes qui pourront participer sur 4 à la compétition qui viennent d'Europe. Donc du coup, on est sûr de pouvoir lock notre samedi et notre dimanche. Vous êtes certain d'avoir du très très gros, du très très lourd avec nos équipes européennes. C'est la fin de ce pré-show, je vous propose d'attendre quelques minutes avant le tout début de la compétition de cette 8e journée. C'est donc Invictus Gaming qui rentre dans l'arène face à AHQ, à tout de suite.챌린저스부터 롤드컵까지 왔다는 건 되게 일단 좀 개인적으로 되게 의미가 있다고 생각하고요. 되게 멀리서 보면 되게 뭔가 어떻게 왔나 싶기도 하면서도 되게 지금 잘 해 나가고 있는 것 같아요. 지금. 앞으로도 높이 갈 수 있도록 열심히 해야죠. 앞만 보고. Damwon will take down IG, the 2018 champions. 如果是没有进入到小组赛，其实就算仅仅是作为LPL的三号种子来说，也是很不合格的事情，更不要说去年的世界冠军这个头衔了。
going to dive in. It's a brilliant equalizer. Careful, Smithy here looking for the steal potentially. Yep, teleport is going to go in. They're committing. And HQ, they were winning until they lost. The best showing that we have seen from HQ and a team that can perform to this level can be dangerous in the second round, Rob. Man, last year we were one game away from making it out of groups. I don't feel as heavy as I did in past Worlds where it's like, oh, I'm so bogged down. Like, oh, we need to get lucky to win. I feel good. I feel confident. This time he pulls it off with the quadra kill. I think I'm a strong player. I think my team is strong. It's time for my team to make it out of groups. Bonjour à tous, nous sommes partis dans le dernier groupe, le groupe D. Et après ça, nous pourrons savoir qui ira affronter qui en quart de finale. Qui ira affronter majoritairement l'Europe d'ailleurs, oui. Parce qu'on est trois à être sortis de cette phase de groupe. Et il ne reste dans nos némésis naturels, dans nos rivaux naturels, il ne reste plus qu'un seul prétendant. Et il est dans ce groupe coincé entre l'équipe championne du monde et les Damwon Gaming, les monstres de saison régulière de Corée. Et les HQ, mais il faut faire top 2, donc ça ne change absolument rien. Donc ça va être un groupe palpitant. On va voir si l'Amérique du Nord, les champions du monde, parviendront à sortir de ce groupe. C'est ça, trois équipes à 2-1, IG, Team Liquid, Damwon, HQ à 0-3, HQ qui ne doit pas perdre une seule partie s'ils espèrent passer en quart de finale, ça va être très dur pour eux. Du côté de Double Lift, eh bien, on entreaperçoit un espoir pour la première fois de sa carrière de sortir vivant de ce group stage. On est confiant. C'est vrai que c'est certainement la meilleure équipe dans laquelle il a été pour représenter l'Amérique du Nord au Worlds. Donc oui, il dit clairement la vérité. Je pense également qu'ils sont plutôt bons, plutôt même très bons. Cependant, je pense que les Invictus Gaming et les Damwon Gaming sont aussi particulièrement excellents et j'ai comme le sentiment que le step-up asiatique un petit peu a commencé. C'est ça, on l'a vu sur tous les autres groupes, on l'a vu du côté des Fun Plus, on l'a vu du côté des Griffins, bon, SKT fidèle à eux-mêmes, RNG tombé à la guillotine sur une Lulu, mais généralement on a quand même vu un gros step-up effectivement, step-up. Surtout pour les équipes un peu plus jeunes, un peu moins expérimentées, voilà, passer le dépucelage de cette première semaine de group stage. Damwon aussi, hein, sur ces derniers matchs, ont été bien meilleurs, donc c'est très dur. C'est très dur quand on sait que du côté de l'équipe nord-américaine, Jensen et X-Missile n'ont pas toujours donné satisfaction. On attend aussi un step-up du côté de Team Liquid, mais l'Amérique du Nord n'est pas réputée pour faire une deuxième bonne partie de group stage. Oui, malheureusement, on est peut-être un peu biaisé, mais on regarde les résultats des autres équipes en provenance de la région. Et il est vrai que pour le moment, eh bien, on est un petit peu dans une catégorie de limite wildcard, vu les résultats en sortie. Hein, Hong Kong Attitude, Cloud9, on a eu également, excusez-moi, j'ai oublié de se dire, c'était, ah oui, c'était les Clutch, c'est ça, oui, absolument. Franchement, non, mais, ils n'ont pas été nuls hier, les Clutch. Même de côté, hein, le même, c'est quand même, on n'a pas le sentiment que pour l'instant l'Amérique du Nord puisse appartenir à une des régions majeures. En tout cas, dans ces Worlds, hein, je ne veux pas tirer de conclusion ultime, mais dans ces Worlds, ça ressemble plutôt à une région wildcard. Et match coup près du coup pour les HQ, 0-3, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, du côté Blue Side. S'ils perdent, ils seront out. Ouais. Mathématiquement out. Aussi simple que ça, et le même traitement que pour beaucoup d'autres équipes avant eux. Le score en 0-3, l'attente d'un résultat, les autres équipes qui step up aussi pour sortir dans le top 2 du groupe, ça fait pas beaucoup de place. Disons la question, équipe. C'est un peu comme dans tous les autres 0-3, c'est est-ce que au moins déjà on peut faire un croche-patte à une équipe, voilà. Ouais, ils peuvent être très impactants, surtout dans ce groupe-là, parce que un peu comme celui d'hier, avec SKT, RNG, Fnatic, il y a vraiment trois vrais prétendants pour en sortir vivant.
Alors Gragas, Xayah, Rakan, Open, ouh, on n'a pas le temps chez l'IG, sachant que oui, on n'en a pas parlé. Oui, le retour de Ning, le retour de Ning dans la jungle qui revient voilà occuper son poste. On a très peu d'informations sur son niveau de jeu, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu officier à ce poste. C'est vrai que ça n'a pas été le majeur dans la fin de saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais malgré tout, ça reste le jungler avec lequel ils ont soulevé la coupe. Et bien sûr avec lequel ils ont réentamé l'année jusqu'au MSI, etc. Vous savez, on vous a déjà raconté cette histoire maintes et maintes fois. Donc oui, gros point d'interrogation, mais s'il est de retour, c'est pour cette vibe World Championship un petit peu, les choses qu'ils ont déjà vécues, les groupes, la sortie, les quarts, les demi, la victoire finale. Normalement, avec ce roster, c'est vrai que tu dois avoir une certaine aura. Alors, du coup, on a quelque chose d'extrêmement agressif avec un Jace pour The Shy en blind. C'est... Un Olaf dans la jungle, pareil, en blind. On s'y attendait. Mais du coup, ils vont limite offrir des counter pick à HQ en blue side. Mais le Xayah Rakan, où ils sont passés complètement à travers les HQ, il faudrait peut-être ban le Rakan au moins. Ce serait assez important. Après, ils ont drafté une excellente bot lane, un jungler, bon, Gragas qui est un peu révélé en tant que support, mais si ton jungler est tapé, Ça veut bien dire que les dégâts physiques vont venir un petit peu des solo lane. Donc il y a déjà quelques pistes qui sont lancées pour les Invictus Gaming. Que là pour l'instant la composition, c'est vrai que elle peut pas aller n'importe où, la composition des HQ. Elle pourrait partir du côté Yasuo d'ailleurs, de la force. Ça peut être pas très si c'est sympa dans les bacs, mais ça ferait une jolie compo Yasuo, je trouve. Je suis entièrement d'accord. Alors ban du Rakan, normal. Et Irelia, on veut mettre The Shy dans les meilleures conditions, j'ai l'impression. Ouais, ça sent le bruiser à plein nez pour les HQ. Hein. Je comprends totalement les bans des Invictus Gaming. Mais heureusement pour eux, il en reste. Après, c'est pas évident d'avoir le permis pour tous les bruisers qui restent. Morgana, Xayah. Alors là, vraiment, bonne chance. Bonne chance pour faire quoi que ce soit sur cette bot lane. Elle est simplement pacifiée. Il n'y a aucune opportunité. Qu'est-ce qu'on prend? Parce que ce Jace, il peut être flex à la mid lane de rookie. Moi, j'aurais peur du Rumble, parce que c'est vrai qu'on est très très léger en dégâts AP. C'est vrai que... C'est clairement pas le genre de champion auquel je pouvais m'attendre, mais il est validé. C'est pour le duel contre Jace, hein, manifestement. Eh ben ah, mais ben non. Il est AP mid. Ok. Waouh, leur lead est... Le mid game des HU, il est compliqué, il est je trouve. Ah, il est un peu mou, hein. Parce que oui, Victor, ça met beaucoup de temps à monter en termes de dégâts, et puis... Je comprends pas trop l'intérêt de prendre Victor quand t'as un Olaf en face de toi. Ouais, je suis... Parce que tu vas... Enfin, et une Morgana... C'est pas que tu vas souffrir, mais t'es une cible de choix en tant que Victor contre Olaf. Et il y a beaucoup de range aussi hein, chez l'Invictus. Hein. Oh, elle est bonne, elle est bien cette Orianna. Hein. Elle est très très bien. Franchement, ils vont se faire dépecer en lane HQ. Ouais, j'étais en train de me dire, il y a un bon teamfight quand même côté HQ, ça peut être très dangereux avec le champ rotationnel, tout ça, tous les CC, mais la Orianna... Ils jouent contre IG, ils vont se faire agresser dans tous les sens. Et là, Ning, pour le coup, pour sa première game de retour, ça peut être Dieu. On lui a fait beaucoup de cadeaux parce qu'au niveau 6, il a peur de personne. Hein. Il a même un Black Shield. Et le 2v2 mid jungle, je le mets largement à l'avantage d'une Vitus Gaming. Pareil, mid top, pareil, jungle bot. Enfin, c'est. Je vois pas où est-ce qu'il gagne en lane. Je viens nulle part. Après. Faut que je fasse attention à ce que je vais dire parce que il va certainement y avoir un bain de sang dans cette game, mais après, passer un certain moment, passer le plus dur, tu peux peut-être te réfugier dans une certaine posture défensive de je clear au laser, je clear au baril, je clear avec mon ulti et de toute façon, tu recroques vie sur toi-même. Mais je pense très franchement que Invictus Gaming a tout ce qu'il faut pour briser toute formation défensive. La faiblesse d'Invictus, effectivement, c'est que l'engage c'est une cache de Morgana. Voilà, donc c'est très léger contre une équipe qui est très très bonne pour recevoir un engage avec un Gragas, avec un Victor, avec un Nautilus. En tout cas, première game de la journée, HQ contre Invictus, tout de suite. C'est parti, première game de ce groupe D. Le Bardi.
Match guillotine pour HQ. Ah, on a un spellbook sur ce Victor. Et manifestement, peu importe ce qu'on en pense, il a quand même l'air, ils ont quand même l'air de savoir ce qu'ils font. Non mais le match-up sur le mid, sur la mid-end est pas le pire. C'est tout de même un Victor qui va se tenir à bonne distance. C'est dans l'équilibre du match, hein, bien sûr, je comprends tout à fait. C'est lent, la mid-lane est lente, la top-lane est lente, la bot-lane est relativement lente aussi à scale-up. Et de l'autre côté, on peut aller beaucoup plus vite. C'est ça. C'est tout ce qu'on dit. Après, et si jamais le Olaf snowball, ça va être l'apocalypse. Ça peut être à 20 minutes, ouais. Complètement. Mais bon, alors les HQ ne sont pas de mauvais joueurs. Mais en face, on joue contre les champions du monde en titre, qui sont mécaniquement assez solides, qui ont commencé à jouer mieux sur la fin de leur première journée. Ils sont un peu énervés. Journée, voilà. Parce que je lisais beaucoup de commentaires sur Invictus Gaming. Et c'est vrai que, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous-même chez vous, mais je trouve que ce sont quand même les champions du monde qui sont peut-être les moins marquants dans le cadre de la défense de leur titre. Ils ont eu une chute vraiment express suite à leur titre leur région à domicile. Et après, je trouve que dans les discussions globales sur ce championnat du monde, on parle finalement assez peu. Après, d'Invictus Gaming. Il y a aussi des champions du monde qui ont totalement disparu et qui ne sont pas requalifiés au World. Tout à fait. Mais ouais, ça fait partie des rares champions du monde qui ont réussi à se requalifier pour défendre leur titre. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Samsung, il y a eu SKT et IG. Il y a IG. Voilà, c'est tout. C'est absolument tout. Et je trouve quand même que, avec la présence de G2 eSports si puissant, mais avec le retour en force de SK Telecom, bah les champions du monde, ils sont peut-être un petit peu écartés. C'est pas les favoris. Bah, c'est pas les favoris et je pense que ça doit vraiment, vraiment beaucoup les énerver. Ça doit les énerver et il y a pas mal de joueurs champions du monde, mais même quel que soit le sport, qui sont assez souvent exprimés sur l'après. L'après, hein. L'après, je peux penser à Seb, typiquement, oui. Qui dit, en fait, après une victoire championnat du monde, pourquoi est-ce que tu te bats? Finalement, tu as atteint ton objectif, tu n'as plus rien à prouver à toi-même, aux gens qui te regardent. Et c'est dur de se retrouver une motivation pour rejouer à un niveau aussi élevé, parce que ça demande tellement de travail, d'investissement. C'est une sacrée route. Pour quelque chose que tu as déjà accompli. Donc, il y a un petit problème de souris du côté de Rookie. Donc, voilà. Moi, ça ne m'étonne pas. Qu'une équipe championne du monde ait un énorme slump à la suite de son championnat, parce qu'il faut se remotiver. Mais ce qu'on a pu voir aussi, c'est que vers la fin, ils l'ont encore ce truc. C'est en train de revenir. Enfin, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Ouais. Ils l'ont. Et je trouve qu'ils sont pas présentés en tant que titans véritablement, alors que quand tu regardes vraiment la line-up, elle est féroce. Ouais. Elle est super féroce cette line-up. Ils ont démoli les G2, ils ont démoli les Fnatic de l'année passée. On est dans des conditions absolument différentes, bien sûr, au niveau du jeu, mais ce sont les mêmes personnes quand même. Ça veut forcément dire quelque chose. C'est ça que aujourd'hui, c'est une journée très importante pour cette équipe. Que si elle ne sort pas des groupes, certainement la fin des discussions. Donc quand je parle de Seb, je parlais bien sûr de Seb, de Dota, oui, qui a gagné un double championnat. Et qui dit très volontiers dans cette interview, après ma première victoire en championnat du monde, c'était compliqué de s'y remettre. Et le joueur s'y est remis, donc, mais Faker aussi s'y est remis. Il y a des joueurs qui arrivent à passer outre ça, mais il y a aussi des joueurs qui s'effondrent. Donc on va voir si c'est le cas des IG. On va voir. On va voir absolument. Sur le premier duel entre Ziv et The Shy. Est-ce que c'est pas pour Gangplank ce duel? Il me semble bien. Hein. Voilà, ça a l'air très serré quand même. Oh, The Shy. On va jusqu'au bout. The Shy qui se retourne. Oh, Sidestep. Ça coûte cher ce petit Q-spell manqué parce que là où pour parler, voilà, il va être obligé de tenir sa distance. The Shy. The Shy qui va peut-être se faire arracher sur un early game contre Gangplank. Certainement un des duels qu'il est le plus désagréable de perdre, véritablement, parce que si t'es en retard. Ah, tu prends des pourparlers. Tu prends des 30% HP, super bien. On n'est pas parti d'Orange Shield hein, avec ce Jace, on est passé à la potion de corruption. Oui, naturellement. Je sais pas si on a l'élixir de chronopotion, je suppose que oui. Je suppose que oui également. Mais contre un Gangplank, ça est nécessaire. C'est pareil pour les deux, hein, normalement. Et alors, du côté de Rainbow, moi c'est pour lui, je m'inquiète, parce que Rainbow, c'est pas le joueur qui me donne le plus de satisfaction chez HQ, et il joue contre Rookie, un des meilleurs midlaners du monde. Sans contestation possible. Et dans le domaine de l'agression en lane, Orianna fait quand même partie des plus grands titans, les plus grandes menaces. Je pensais que ce trade allait pouvoir être positif pour Rainbow, mais manifestement, il n'a pas la puissance de feu. Hein. Non, pas du tout. Déjà deux potions en moins dans le duel mid lane.
c'est dur. C'est vraiment très dur. Il a une téléportation, hein, donc j'espère qu'il pourra atteindre sa première évolution de X-Core. S'il ne l'atteint pas, ça risque de tourner rapidement au vinaigre, parce que là, Rookie, il a déjà une grosse priorité. S'il commence à se déplacer avec son Olaf, la game peut totalement partir en live. Alex, est-ce qu'il a un gant qu'a trouvé sur la mid-lane? Rookie qui joue de façon très agressive, on l'a aussi vu sur du Lucian, quasiment en train de jouer sous la tour de son adversaire. Donc on sait que c'est un mid-laner qui peut être puni, mais il y a Ning aussi dans le coin, et on l'a dit, un Olaf dans cette game, ça peut être dur. Ça peut être dur, regardez la qualité de son full clear, hein. Tout est nettoyé jusque dans les coins, on est sur le carap, on va skip le carap et on va aller voir Gangplank. Mais très belle réaction de la part de Ziv. Ning qui se dit « Attends, mais c'est wardé, c'est pas possible !» Et non, c'est seulement l'expérience, le talent qui a parlé, ou peut-être une ward que j'ai pas vue. Non, il n'y avait pas de ward. Après, bon, on suppose que si Alex est du côté du botside en train de récupérer le carapateur et qu'il n'y croise pas un Olaf en colère, ce Olaf est de l'autre côté de la rivière. C'est plutôt bien tombé, on va dire. Le coup de pollen, vers la droite ou vers la gauche? Ah, il y a le poro. Oh, il n'y a pas de ping. Ning qui va pouvoir... Est-ce qu'il va l'attendre? C'est pas une gigantesque perte, c'est un gromp. Non, mais il y avait un grand risque qu'ils se tombent nez à nez face à l'un face à l'autre dans un buisson. Évidemment, dans ce cadre-là, Olaf, il est plutôt pas mal. Bon, là, c'est du bait. Ziv qui bait allègrement. Il est dur, hein. Je pense que même avec l'information, voilà, hein, je suis pas sûr qu'ils aient envie de prendre ce 2 contre 2. Et du coup, on va en rester là, on va pas essayer de bait, on va pas essayer de face-check ce buisson. De toute façon, on a pris un abatteur, donc ça met fin au débat. Un Gangplank qui a quand même la volonté de scale up. Mais c'est vrai que s'il y a vraiment un énorme Gangplank dans ce match, et si Victor arrive à tenir finalement suffisamment longtemps, imaginez un petit peu le zoning de Gangplank-Victor dans une phase de siège un petit peu mid-game. Sur la mid lane ou sur le Baron Ashor, c'est très oppressant quand même comme association de champions. Je suis entièrement d'accord pour dire que si HQ arrive à 25 minutes de jeu à égalité au gold avec IG, IG a un très sérieux problème. Ah ouais, vraiment très sérieux. Mais je n'arrive pas à croire que IG laisse les HQ tranquilles 25 minutes. Ça paraît impossible connaissant les joueurs. Attention le slow. Oh, il est stun quand même. Pas de possibilité de flash, il est oum. Et Rookie qui va peut-être se faire first blood juste ici par Alex. Superbe gank au Predator de Alex et Rookie qui joue très agressif. Rookie toujours très avancé sur sa mid lane qui se fait sanctionner. Très beau champ gravitationnel de Rainbow. Basique, absolument basique. C'est un classique. C'est un grand classique. Ouais. Il a grid son flash, il est mort. C'est tout ça. Simplement. Et après, il était très avancé, sans vision. Bien sûr, mais il pouvait flash mille fois. Il le voit, mais ils anticipent mal le Predator. Ouais. Vraiment, ils anticipent très très mal le Predator. Il pensait que la vitesse de déplacement du heal allait le sortir du champ gravitationnel, mais non. Pas de vos coups, cela dit. Parce que oui, Ning avait l'info, donc ils voulaient jouer les 2 contre 2. Hein. C'est juste qu'ils se sont fait prendre de vitesse. Ouais. Et ouverture du score pour les AHQ. Ben, je dois dire, ça me fait plaisir. C'est très encourageant pour la qualité du match. Et de la journée. Parce que si HQ devient un adversaire qui effectivement peut venir chercher des défaites, enfin des victoires à droite à gauche sur ses adversaires, ça rebat totalement l'équilibre du groupe. Un groupe mal, qui hein. est extrêmement serré, on le rappelle, avec toutes les équipes à 2-1 sauf à HQ. Absolument, et ils sont plutôt pas mal, ils sont plutôt bien réveillés, préparés hein, les HQ. Cela étant, quand même, j'aimerais apporter un petit peu de légèreté à tous ces encouragements. Quand on regarde la laning phase pure et dure, les deux solo lane se font sacrément bosser en termes de tenue de lane simple. Mais ici, au niveau du combat, Belshock revient dans la backline. Wako Kelo, Wako qui va tomber. On s'est commit un peu pour Izera. La canonnade de Gangplank qui arrive un petit peu tard, c'est dommage. Elle arrive avant, ça peut faire un kill. Rainbow tout de même qui va prendre un kill sur Ning. On arrive à récupérer le dragon, les gars. Il n'y a plus de smite. Il n'y a plus de smite de toute façon. Il est gratuit ce dragon. Dragon des océans à 7 minutes de jeu. Dragon des océans, early game. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Pour une tenue de lane, la réponse est non. Et la tenue de lane, c'est leur problème principal au HQ. Avec ce petit Gangplank, il est très très heureux de ce dragon. Vous voyez, ils se battent beaucoup les HQ, mais en termes de farm quand même, ils sont largement derrière. Vous voyez un petit peu que dans cette gestion du teamfight, Wako le flash, c'est beaucoup plus réfléchi et mesuré du côté des Invictus. Là où chez les HQ, c'est genre, c'est la fête quoi, on y va, on sait pas trop, c'est les émotions, l'adrénaline qui montent. Et du coup, dès que tu vois une opportunité, tu flash in. Et ça peut leur jouer des tours plus tard.
Alors, ça peut vraiment leur jouer entre Ziv et The Shy pendant ce temps-là. On a envie de mettre de la pression avec Ning. Ning niveau 6. Ning qui est maintenant un danger public sur la carte pour les HQ. Ning qu'on peine un peu à voir hein, quand même dans ses premières interactions. Mais le dive là ici. Il va intervenir. Plus de Citrus. Et non, finalement il est sur le camp. Hein. Alors que là il y avait vraiment un gros timing dive. Il s'est pas dit qu'ils n'y allaient pas juste après ça. Ah, ils prennent la vision, on c'est a vrai la que vague pour The Shy. Ah, il aurait dû partir, Ziv. Il aurait dû partir. Et Ziv, il va falloir un exploit. Il arrive à trouver un baril sur The Shy. C'est un peu compliqué là. Hein. Il fallait partir, hein. Je pense qu'il a pas tellement respecté le danger. Clairement pas. Alors qu'au final, les Mythus Gaming ont perdu du temps sur leur move en allant prendre le blue buff avant même d'opérer le dive. Pareil, on n'a pas trop vu de décalage. C'est vrai que, et ce qui est plutôt rare, on a des téléportations que sur les top laners dans ce match. C'est vrai. Donc sur ce genre de move, où normalement on a l'habitude de voir une petite TP de la mid lane, une petite TP même parfois de la décarry, qui vient un peu rebalancer tout ça. Voilà, quand t'es seul, bah tu es vraiment seul face à ton destin. Ouais, complètement, et c'est un grand danger pour Ziv ici. Hein. Tant qu'il est encore vulnérable, tant que Lola fait encore dans son spike, il risque de se prendre ce qu'on vient de voir 5-6 fois d'affilée s'il le faut. Il n'y a pas de problème, ça coûte pas grand chose au Invictus Gaming. C'est ça que prendre les précautions nécessaires est quand même important, quitte à perdre effectivement un peu en push, un peu en point de vie de tourelle. De toute manière, c'est pas comme si le scaling des AHQ leur permettait de sauvegarder leur T1. Non. Quand t'as une composition qui doit tellement aller piocher de ressources, tu es obligé de céder au moins ta première ligne de défense. Ouais, le roaming, ça paraît normal. Dizera sur la mid lane, qui a laissé un petit peu sa Kai'Sa toute seule là. Contre Xayah Morgana, ça va très très vite sur les plaques. Sachant qu'ils n'avaient pas vraiment le push. Alors oui, il y a de la bonne vision, mais on n'en fait pas grand chose pour les HQ. Non, pour le moment, et je pense que c'est le moment clé où ils doivent surtout mesurer leurs interactions avec leurs adversaires. Car là, dans ce timing, le poste 10 minutes, là où le héros de la faille va commencer à être joué, là on va avoir peut-être la première gestion de swap lane. Ah, c'est vrai qu'il y a le spellbook, autant pour moi. Donc, oui. C'est TP avec spellbook. Absolument, c'est vrai. On avait après les victoires, j'avoue. Bon. Tant mieux, on n'en croise pas si souvent. Ah, tant mieux pour eux qu'on n'en croise pas souvent. Peut-être que justement, Rookie réagit comme nous. Manifestement, il s'est bien fait avoir par le champ gravitationnel. Joli grab. Black Shield. La punition avec une cage, le retour de plume. Ouais, c'est compliqué cette stopwatch. Mais pour aller où? C'est bon, on n'arrivera pas à continuer côté IG. Ouais, souvenez-vous de ce qu'on disait en phase de draft. À partir du moment où c'était Xayah Morgana contre Nautilus, il n'y avait plus rien à faire. Ah, c'est le dive numéro 2. Et il a une canonade, Ziv. Et il va falloir la mettre, il va falloir la mettre. Attention, l'aggro. On essaie de flash out. Ce sera bien pour un, c'est très bien. On ne pouvait pas espérer mieux pour Ziv. On a complètement mal géré l'aggro côté Invictus. Généralement, c'est la personne qui a quand même le plus de mobilité qui prend la tourelle, hein, ou le plus de tankiness à défaut. Mais Lanning, il a pris la tourelle. Il était littéralement en mêlée hein, par rapport à celle-ci. Il prend 35 CS. Hein, tout de même. En fait, ce qui me gêne, c'est pas que ce pauvre Gangplank, comme tout bon Gangplank, se prenne dive sur dive sur dive. C'est trop bizarre qu'il ait pris la tourelle. C'est qu'il n'y ait vraiment aucune autre sorte de réponse côté HQ sur la carte. Ouais. Dans un timing où il y a un héros de la faille, on aurait pu même vouloir swap hein, pour éviter à Ziv ces moments un peu compliqués et essayer de capitaliser sur l'objectif. On ne touche pas non plus au mid. Les roaming de Izera ont été assez mal timés sur la mid lane, ce qui a laissé Wako sous pression. Donc en fait, toutes les lanes vraiment HQ sont sous pression. Et personne ne peut aider personne, y compris un jungler dominé par un Olaf. Enfin, c'est un peu le cas de figure qu'on redoutait. C'est... Ils n'ont pas le choix là. Ils doivent juste subir. De juste subir, reculer, laisser le scaling faire son œuvre et espérer être en état de combattre lorsqu'il s'agira de défendre finalement l'intégrité de la game. C'est le terrain le plus viable. De toute manière, leur sélection de champion ne leur permet pas de jouer beaucoup d'autres choses. Ah, quand ils auront plus de dents à 20 minutes de jeu, ils iront manger un Mr. Freeze. Sors d'où celle-là. Je sais pas. Ouais, en tout cas, s'ils cèdent un peu de terrain et qu'ils font pas de bêtises, très franchement, il y a moyen qu'ils rattrapent. Hein. Très bon. C'est une Invictus Gaming. Et on essaie de mettre de la pression, on prépare ce dragon des nuages côté IG.
Et la première tour qui va tomber pour The Shy. Et voilà, pour la première fois, il cède sa tourelle, il cède le terrain. C'est dommage que ça ait pris deux tower dive pour en arriver là. Et là, c'était même pas le plus dangereux. Hein. Ah non, c'était le seul où il pouvait éventuellement rester. Il venait de voir le Olaf qui était en train de récupérer la vision dans le buisson botside. Donc pour le coup, il n'y avait vraiment pas de danger cette fois-ci. Mais forcément, il y a quelques traumas qui restent. Voilà, mémoire musculaire. Mémoire, oui. C'est vrai qu'il a pas mal subi. Et du coup, comme on a libéré la T1 top, on va s'offrir très généreusement le héros de la faille. Même si je suis très étonné que dans cette game, l'Invictus Gaming n'ait pas été plus entreprenant hein, quand même sur ce héros. On est à 13 minutes, il ne sera pas utilisé pour prendre des plaques. Ça ressemble pas trop pour moi à un héros de la faille opti, on va dire. Ils peuvent tous se permettre là. C'est vraiment c'est cruel pour les HQ, mais c'est un match qui se joue exclusivement en pure laning phase. Ah ouais. En pure 1v1. Et dans ce cadre-là, bah, y a no way. Ils se sont pas facilité la tâche non plus. Ouais. Hein. Du côté de Alex, c'était abonné absent, sauf sur ce premier gank. The Shy pulvérise son adversaire, hein. Regardez ça. Ziv, en termes de lecture de cartes, il aurait pu essayer de moins concéder. Et surtout la botlane. La botlane, ça va en vrai. Hein. Ça va plutôt pas mal, hein, le farm est équivalent. Ils ont subi la pression tout de même en général. Oui, c'est vrai que la tourelle est un peu plus entamée d'un côté que de l'autre. Mais les HQ ne pouvaient pas jouer aggro. Les IG n'ont pas été trop aggro non plus. Et dans la guerre de farm, je trouve qu'ils s'en sortent bien. 3000 gold. Enfin, sur la botlane. Sur la botlane, oui, sur la botlane. Sur la botlane, parce que le reste, bon, c'est vrai que... Mais à moins 56 au top, quoi. Ah, mais le farm de GP, incroyable. Non, le pauvre. Et on attend Dragon des Nuages. Sinon, on n'a pas trop pu avancer sur la mid lane non plus, hein, du côté de Rainbow. Faut voir le plan de jeu. Comment les IG veulent-ils accélérer le match pour éviter toute tentative de vol de game par scaling? Comment ils veulent attaquer ça? Ce dragon, il me paraît très très ambitieux. Là, bah, The Shy se dirige bot en prenant la wave mid, bien entendu. Cage qui touche. Ouais. Est-ce que Nick va y aller? Bien sûr, c'est un Olaf, niveau 9, il va tout mettre. Il est réceptionné. Il voulait pas faire ça. Et le dragon est pris. Et on arrive à s'extirper de cela. Je pense qu'il voulait faire ça, mais il s'attendait pas à tomber d'année avec le Victor. Ah ouais, les IG, on prend pas beaucoup de précautions, je trouve. Il y avait beaucoup de façons de bien défendre ce dragon des nuages. Oui. Déjà reprendre la prio bot plutôt que d'attendre à deux pendant 30 secondes devant cette plante. Puis surtout jamais de la vie tu sautes à l'aveugle comme ça. Surtout pas avec un Olaf, j'allais dire Olaf Warrior, mais ça semble naturel, mais avec un Olaf qui n'est pas fed en quelque sorte. Là il est tout à fait normal hein, le Olaf de Ning. Donc, il a un héros de la faille dont il aimerait bien se débarrasser, je suppose. Et je pense que le plan pour l'instant qui a été le plus payant, c'est de jouer autour de The Shy. Le smite d'Alex. C'est osé. La shockwave. C'est osé. Le flash out de Ziv, il manque une déchireuse. C'est quand même osé ici. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? La wave top qui est en train de se crash. C'est vraiment un kill. Pour un kill. Pour prendre un kill. C'est un kill parce qu'ils peuvent prendre un kill. Exactement. Et s'ils peuvent prendre un kill, Twix, pourquoi ne le prendraient-ils pas? Mais ça, généralement, c'est... C'est le jeu d'équipe plus faible. Les IG, ça a jamais été les dieux de la macro. Hein. Non, c'est sûr, mais bon. quand tu vois c'est bien une équipe chinoise qui joue en fermant les yeux, ouais. Mais qui admirablement bien. Oh, oui. C'est IG. Un petit peu comme des spécialistes d'arts martiaux. Voilà. Mais quand tu lui parles de géopolitique, bon, il est rincé, le gars. Enfin, pas tous, hein, je prends un cliché. Mais... C'est très stigmatisant pour les pratiquants d'arts martiaux. Vous comprenez, Ami Gamer, maîtrise du corps et de l'esprit, monsieur Twix. C'est vrai, je devrais pas faire d'amalgame. Mais voilà, héros de la faille qui a été lâché. Bah, il est où? Ah, bah, il l'a loupé. Il l'a loupé. C'est la saison des champignons. C'est ça, ils vont peut-être le faire danser. Hein. One Punch Man. Shanghai Rotationnel, c'est un peu compliqué quand même à gérer, mais la tourette qui se fait absolument fracassé. Et pendant ce temps-là, sur la mid lane, Jackie Love, ils sont à 4 hein, ici, les Invictus Gaming, hein. ils sont à 4. Ça continue, Ziv. On devrait pas attaquer le Kyriade là. Le Olaf. Let's go. Oh mon dieu. Pourquoi y'a Kai'Sa bot? C'est une boucherie. Que fait Wako? La Shockwave qui va passer, est-ce qu'on arrive à sécuriser un inhibiteur à 17 minutes de jeu? Est-ce qu'on a même envie? Mais Ril est fou.
Il y avait une vraie opportunité de prendre un fight ici si seulement il n'avait pas push sa wave bot. Et là on est dans le mid game et quand on voit ce genre de phase de jeu, on se dit c'est tellement mou cette compo HQ, mais c'est tellement mou. C'est mou hein, ouais. Là on est vraiment dans le creux hein, par contre. Ning, quand il peut se permettre à 18 minutes de jeu d'aller 1v4 pour essayer de prendre un kill extrêmement discutable sur Ziv. Ah ouais. Oui, mais on se dit que là, en termes de dégâts, c'est pas possible, voilà. Là, c'est... Ouais. Quand t'es derrière, de toute façon, la seule manière de compenser et de remporter un fight, c'est d'avoir la supériorité numérique. Ça paraît assez logique. Et là, pour le coup... Et Quaco qui farme. C'est trop dommage qu'il soit bot. Regardez, il se fait même ping par les IG. Enfin, Ning, il troll complètement en faisant ça. Il arrive à s'en tirer comme un prince. Faut voir aussi que les IG, ils jouent sans Jackie Love qui est en train de push le mid. Bon, en ce qui concerne Jackie Love... Prendre la tour mid lane, c'est quand même un gros truc, donc pourquoi pas. Mais les IG ont définitivement été trop loin et c'est dommage qu'ils n'aient pas été punis là-dessus. C'est un peu dommage. Et mine de rien, on a une KSA de 2 items. C'est vrai. Mine de rien. La courbe de gold est sans appel. Hein. Ouais, je pense que The Shy, il va... Ça va faire très très mal là, je sais pas ce qu'il a acheté, je sais pas ce qu'il a dans sa besace. Je suis pas sûr qu'il ait fait le détour l'arme de la DS. Hein. Il l'a fait. Et il l'a fait, ah, il l'a fait finalement. Oui. C'est vraiment, donc c'est institutionnellement le J-Stop se joue à l'alarme. Parce que ça fait deux fois de suite que je vois un Jace chinois. Moi, en ce qui me concerne, The Shy l'a fait, donc c'est comme ça qu'on fait. C'est quoi. Validé. c'est Nuguri, il dirait que c'est Kleptocle. Hein. C'est ça, Kleptocle et Marché du Futur. Ah, effectivement, il est bien sur la main à mud. Hein. Mid bot maintenant pour le push. On essaie de prendre une petite T1 avec GP. C'est pas mal hein, de donner bien sûr à un des hyper carry finalement quelques ressources tant qu'on peut pas organiser la défense. Parce que dans l'état actuel des choses, défendre la T2 pour les HQ, ça peut devenir rapidement compliqué. Faut voir si les IG arrivent à percer la formation de la défense. Avec 100 barons d'H. Est-ce qu'on a passé ce fameux point où Victor simplement Z laser la wave et il one shot tout. Que ça changerait beaucoup de choses. Le Z est passé mais Rookie. Oh Rookie! Rookie qui définitivement n'a pas le compas dans l'œil en ce qui concerne le champ gravitationnel de Victor. Et maintenant que tout est amélioré, c'est ça. C'est pas le Victor du patch actuel, hein. Il y a toujours cet effet shockwave dans le champ gravitationnel. Donc faut qu'il fasse très attention Rookie. Pour l'instant bon. Ça vraiment, ça ressemble à une promenade. Hein. Ouais, il faut un baron quand même pour terminer. Mais... Oui. Ça devrait aller. Mais là, 20 minutes maintenant avec une carte aussi ouverte. Et il manque encore beaucoup de stuff chez les HQ pour vraiment prétendre à faire quelque chose. Avec The Shy qui va déséquilibrer la carte sur le bot side. J'ai peu d'espoir sur la carte HQ de défendre. C'est sûr. Surtout que c'est un build Lich Bane, donc je suis loin d'être un expert Victor, mais... Pas certain que ce soit la meilleure option dans le cadre de cette partie de rush Lich Bane juste après le X-Score niveau 3, mais il y a une trinité sur GP, il a l'air de partir sur Sterak. Bon, laissons-leur leur chance. Laissons-leur leur chance. Le stuff de The Shy. Il a déjà un Dominique. Ah ouais. Attends, il lui sert même à rien son Dominique. Il n'y a pas de point de vie. Les gens n'ont pas plus de points de vie que lui parce qu'il est niveau 13. J'avoue que le Dominique me surprend. Ouais, il me surprend beaucoup aussi. Il y avait d'autres. Ils ont vraiment plus d'HP que lui, non. Il a son Fash qui était déjà en préparation. Il aurait pu aller chercher un Black Cleaver. On demandera Steelback et Joko. Oui, je suis bien d'accord. C'est Dominique. Allez, le push au mid. Waco qui est seul en défense. On va être rejoint assez rapidement par Rembo et on met une canonnade pour Ziv. C'est donné très généreusement. Complètement overreact et là pour IG le baron Nashor il est beaucoup plus confortable. Oui, puis ils ont juste à push cette vague. Voilà, ils la prennent très très haut, ils ont une très très grosse priorité de lane. Et ils vont chercher le baron. Enfin, ils vont dans la jungle. Bait, hein, mais ils peuvent complètement. Tout est cadré, il faut quand même aller prendre la wave top, c'est ce que Rookie va faire. Bon, dans une vague, pas celle-là la prochaine. C'est ça. Et après c'est go baron. Il y a un dragon des montagnes dans 3 minutes, mais ce serait dommage pour IG d'attendre. The Shy qui ne se monte pas, on a très très peu de vision pour The Shy, c'est peut-être ce qui empêche et qui bloque un petit peu les IG.
Parce que The Shy a peur, à mon avis, de. De faire 2v1, ouais. Avec Waco qui add. Il arrive quand même à avancer, hein, The Shy. Et on force au mid du côté chinois. Wow, sur la cage, la choc. Ouais, oh non. Sur ce Olaf qui va devoir flash out. Il était un peu en train de prendre une douche sous la tour. Ah, et pourtant ça commençait si bien. Quel fût explosif. Mais un rookie était vraiment au taquet là-dessus. Le truc, c'est qu'effectivement, essayer de contrôler un Olaf sous ulti avec un Black Shield, c'est compliqué. C'est pas facile. Mais ils auraient peut-être pu le dépop, je sais pas trop. Il était très surprenant, hein, quand même, ce baril. Mais rookie, quel réflexe, hein, sur la Shockwave. Quel réflexe. Et ils se rendent à l'évidence, voilà, les IG. Pourquoi ne pas faire ce Baron Nashor? Ça va être très très dur pour les HQ de le défendre à temps. 3500 HP. Le jungler n'est pas encore en position. Let's go, laser. Oh, Rainbow qui flash in au milieu. Meryl est fou. Il avait son smite. Il a tenté le steal avec son spellbook, Rainbow. Oh, il l'a tenté. On ne peut bah, qu'apprécier. Moi j'applaudis. Moi monsieur. Il a flash in Balls dans le Baron Pit contre les champions du monde avec Victor Mid Smite. Donc franchement, ça s'applaudit. Ça c'est un mec. Ouais, bravo monsieur. Voilà, tu le regardes mal dans la rue, il te met un coup de boule. Complètement. Bravo monsieur, quel shockwave encore une fois. Ouais, c'était le move alpha, ça n'a pas marché. Et maintenant, si c'était passé, alors là, on aurait tous arraché nos vêtements. Bah en vrai, alors bon, c'est pas arrivé. Mais potentiellement, ça peut offrir un répit et un comeback pour une compo qui a besoin de scale. Maintenant, ils l'ont raté et ils vont se faire terminer sans douleur. Hein. Ça va être rapide. On va pas jouer avec la nourriture. Ça va être un push, ça va être un fight, ça va être un Nexus. Absolument. On a en plus des items qui sont ultra violents quand tu es devant avec le Spellbinder, notamment de Rookie. Puis bon, The Shy est quasiment full stuff. Enfin, ouais. On se dirige vers la fin de tournage, hein, carrément. Et je dois dire que le build de Rainbow m'intéresse beaucoup parce qu'il est parti brillance, mais juste après, orbe de l'oubli. Il a l'air de savoir ce qu'il fait, donc c'est pour ça que je suis très curieux. Mais qu'importe, le push probablement final d'Invictus Gaming. Oh, attention, la bavure de Nautilus. Oh, rappel de pub qui ne passe pas pour Jackie Love. Shutdown. Et The Shy qui a poussé un petit peu trop fort sur le bot side, intercepté par Ziv et Waco. Let's go. Va tout de même essayer de forcer, hein, canonnade. Deux gangplank pour temporiser. Et ce Baron Nashor, eh bien, va être cancel. Je sais pas s'il sera cancel, il reste qu'une minute 30. Une minute 30, c'est 3 waves. Ça permet de back et de revenir. Il y a un dragon en fait, c'est juste que le dragon de sortie, il tombe trop bien. Donc on va faire le dragon, on va back, puis c'est tout. Donc t'as bien raison. Fin de Baron Nashor sur ce catch de The Shy et cette non-mort d'Izera. L'espoir. Ça va être dur, beaucoup trop de retard. Un grand classique, hein, bien sûr, sur cette bot lane. Il a pris un baril, The Shy, et il s'est retourné pour essayer de poke. Ouais. Des bons dégâts tout de même, hein, pour The Shy. On était à un coup de masse du 1v2. Il y a d'ailleurs full stack sa Muramana, fini son Black Cleaver. Il n'avait pas besoin de faire autant le malin, bien sûr, hein, The Shy. J'aurais compris, il joue avec la nourriture. Normalement, les IG, s'ils se souviennent bien, les Happy Games, ils n'ont plus le droit d'en faire. Après avoir perdu en demi-finale du MSI en clamant faire des happy games, normalement, c'est censé t'apprendre un peu la vie et te faire réaliser qu'il faut respecter le niveau des championnats du monde. Je suis bien d'accord. Si vous êtes fan IG ou que vous pensez vraiment que ces champions du monde voilà, ont tout ce qu'il faut pour sortir du groupe, normalement, cette première game, elle n'est pas censée vous rassurer à outrance. Non. Quand même. Même si on n'a absolument aucune idée du degré de sérieux actuel d'Invictus Gaming. Il faudra voir dans les prochains matchs. On préférerait tous finalement que ce soit un 15 minutes et qu'on passe directement à la suite en mode « Waouh, ils sont si chauds !» Sachant que derrière c'est Team Liquid contre Damwon, deux équipes à 2-1, Amérique du Nord contre Corée du Sud. Mais bon, il est indiscutable que les Invictus Gaming sont largement au-dessus de leurs adversaires. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent remporter tous les matchs. D'ailleurs, ça coince un peu sur ce Sieging Mid. Oh, le beau Black Shield ici, on arrive à éliminer quand même Rainbow. Plus de Victor, mais plus de Wave non plus. Une de plus, et la base est ouverte. Il manque deux autos.
On va y aller retourner, voilà, sur le prochain timing de Shield ou de Black Shield. C'est sécurisé. Deux inhibiteurs au mid, au top, à venir récupérer pour les IG. Et on va même pas aller au top. On est... Mais c'est tellement, il y a tellement de confiance qu'on va directement avec en bot side avec un canon et The Shy. Ziv qui essaie de défendre, qui ne trouve pas son baril, la canonnade. Ils sont pas de canaux, hein. Ils auraient pu juste push le top aussi. C'est quoi ça? Y a que des bavures. Indictus Gaming, ben, moi je mets un blâme sur cette fin de partie à IG, hein. Franchement, c'est laborieux. On grille les étapes, on respecte pas l'adversaire. C'est une happy game IG. Ouais, c'est bizarre, hein. Pourquoi ils ont été bots? Super bizarre. On voulait peut-être éviter d'aller topside et de se faire collapse alors que The Shy pouvait pas les rejoindre. Peut-être. C'était pas trop. En tous les cas, il faut conclure ce match rapidement parce que ça commence à devenir un peu inquiétant quand même. Je pense que 10 minutes de plus et on a une vraie pression. Donc là, voilà, Baron Nashor 40 secondes, push final. Et ça doit se terminer comme ça. Mais un item de plus sur Kai'Sa. Ouais. Un item de plus sur GP. Qui est parti sur un Morello. Rookie? Ah non, Victor. Ouais, bon. Je ne sais pas. Non, ça n'a. C'est pas utile en vrai. Contre le Olaf, je veux bien. Ah oui, bien sûr, les auto-attaques d'Olaf en mêlée, mais. En jouant d'aussi loin derrière, en fait. Oui. En termes de potentiel de dégâts, et c'est ce dont ont besoin les HQ, c'est un gros ralentissement. Non, mais un Olaf avec une grosse régène comme ça, tu le gères à l'Ignite. Hein. Il est mêlé, ça doit pas être compliqué de lui mettre. Allez, finalement, l'inhibiteur au top pour les IG. Et après, on pourra aller sécuriser un Ashor. C'est vrai qu'il y a deux heals quand même chez les IG. Parce que le Morello est pas si mal en fait. Bah, l'inhibiteur top side. C'est pas horrible, mais peut-être pas en deuxième objet en ouais, fait. Ouais, c'est pas urgent. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut garder l'Orbe d'Oblivion. Aller d'abord sur un autre objet et revenir sur le Morello en troisième si on veut vraiment optimiser un peu les dégâts. Je suis d'accord, faut de la paix pour ne serait-ce que pour le wave clear. Attention, cette jungle topside est parsemée de mines. Et d'ailleurs, oh la shockwave, et il n'y a plus de jungler comme ça en un claquement de doigts. Et l'Invictus Gaming qui s'offre à 102% le Baron Nashor. On clear le mid, le reset. Et maintenant, ça push au top, il n'y a plus qu'à envoyer un joueur avancer la lane au mid, les 4 autres en bot side. On peut faire un petit passage par le dragon, parce qu'il est là dans 20 secondes, bah, et que c'est pas sur le chemin. Bien sûr, complètement. Pourquoi se priver d'un 10% de plus? Oh, The Shy dans le 1v1, The Shy qui veut soulever. Oh, Wako, secours. Et le flash out de Wako. Oh, nécessaire, hein, visiblement. Et le push bot side, il n'y a plus que ça à travailler, cela dit. Ouais, on a bien dépêché le top side quand même pour les HQ, donc on va pouvoir se concentrer sur la défense. Le truc c'est qu'on tiendra jamais 2 minutes 30 à ce rythme-là. Non, quoique, Jackie Love. Cette T3 va tomber. Le dernier inhibiteur avec le Baron Nashor. On a essayé. Oh, toutes les AOE. La Shockwave qui touchera deux joueurs du côté de Rookie. Mais c'est pas si mal pour l'HQ. On a tellement de retard. Est-ce qu'on peut aller à bout? Une petite gringasse. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Et The Shy maintenant rentre dans la mêlée. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose pour l'arrêter? Et ils sont hyper low, les joueurs d'Intus Gaming. Il joue de manière très approximative, hein. Rocky qui claque un flashing plus que discutable sur cette phase de jeu. Ils ont intérêt à l'emporter tout de suite. Et les méga sbires qui commencent à s'accumuler dans la base des HQ. On poke côté IG, on essaie de temporiser, mais voilà, il y a trop. Il y a trop et on a trop de retard pour les HQ. L'équipe de la LMS qui devrait s'incliner, le Nexus est maintenant à nu. Izera qui se fait poke. Et ce sera la première game de la journée en faveur d'Invictus Gaming. Les champions du monde avancent vers les quarts de finale. Tout à fait, et on attend avec impatience le deuxième match d'Invictus Gaming J'ai pour pas en été... savoir plus. Ouais,
Il faut pas juger sur ce match. Pour en savoir plus, on peut pas. Ouais. Parce que je pense que les IG n'ont rien dévoilé, n'ont pas non plus, se sont pas tués à la tâche. Et ils ont un peu disrespect in game. Ils ont complètement disrespect in game. Tiens, le dernier flash-in de Rookie sur le dernier push. Tellement de points d'interrogation dans mon cerveau. Bon, il y a beaucoup de moves, il y a beaucoup de points d'interrogation. Enfin, comme les rotations de l'intérieur de la base pour aller taper une T3 sans la vague de sbires alors qu'il y a un inhibiteur sur le top side. Est-ce que c'est finalement juste c'était un match tranquille pour eux ou, Je pense. Sûrement. Hein. Mais pour moi, s'il y a bien une équipe qui n'a pas le droit d'avoir cette attitude, c'est la EG et derrière, c'est les G2. C'est-à-dire que les équipes que l'on sait pouvoir jeter des games contre des équipes d'un moins bon niveau qu'elles et qui après le regrettent amèrement. Mmh. Et IG, enfin, ils ont perdu une demi-finale de MSI parce qu'ils y sont allés en étant un peu trop sûrs d'eux. Et bon, là, c'est HQ, donc il y a tellement un écart de niveau gargantuesque que ça va, on arrive tout de même à s'imposer. Mais Team Liquid et Damwon... Une game comme ça, c'est un comeback avec la draft, ça peut aller au bout. C'est exactement ça, côté HQ, effectivement, il aurait fallu encore plus de temps pour espérer être inquiété, même si on commençait à voir les premiers signes, hein, ils commençaient à pouvoir les éliminer, à exploiter les erreurs en team, ce genre de choses. Et oui, une équipe un tiers au-dessus, ça passe pas. Ouais. Ça passe pas, 100%. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, on va un peu débriefer tout ça du côté de l'Analyse Desk avec Rock, avec Joko et avec Steelback. Merci Noah, merci Twix. Effectivement, je suis rejoint par la duo LDLC, Steelback et Joko. Comment ça va les gars? Ça va nickel et toi? Bah, très bien, une nouvelle journée avec vous. C'est super cool de vous avoir une nouvelle fois. Un groupe D qui s'ouvre et une Victus Gaming qui claque les AHQ et qui leur dit bah, ce sera la fin de parcours pour vous parce qu'a priori avec un 0-4, très compliqué de revenir pour eux. Comment vous appréhendez le match messieurs et qu'est-ce qu'on peut dire de Invictus Gaming? C'est un peu ça la question. Je pense que Rookie a été juste monstrueux avec sa Orianna. Il a toujours trouvé la Shockwave qui a tué l'ennemi jungle et après il y a eu Nashor qui s'est débloqué et ça sentait que c'était assez fluide tout ça. Une Orianna, c'est toujours un bon pic pour les drafts actuels, vous pensez les gars? Je pense que c'est un pic assez safe, qui te permet de farm, qui te permet d'avoir un bon impact en teamfight. Et je crois que contre Victor, c'est bien parce que niveau 6, tu peux vraiment threaten le gank avec Olaf et tu as toujours la ball qui est là à zoner. Donc je pense que c'est un bon pic. J'aurais dû faire un appel à un ami et demander à Eka ce qu'il en pense avant. Évidemment, avec le Victor face à Orianna, ça fait vraiment un vieux match-up aussi parce qu'on voit moins de Victor. Rainbow qui s'illustre, hein, qui met un bon timing sur la wave au début face à l'Orianna qui n'a plus trop de mana, qui voulait back. Du coup, elle est forcée à casser le freeze qui est en train de se mettre en place. Du coup, il y a le Gragas qui vient. On va sûrement revoir ce move. Oh, parfait. Merci, la régie. Mais le heal ne suffit pas. Ouais. Est-ce qu'on a grid le flash? Il a cru qu'il allait sortir de l'arène. Je respecte. Mais ouais, ça, un joueur c'est comme pas Rookie, passé. Ouais. Présomption de skill plutôt. C'est ça. On l'a vu ça quand même. Ça l'a pas empêché de rotate top et de tuer toute la map. Donc... Ouais, Zoshai, lui, par contre, c'est la balade hein, topside avec son Jace. Il est aidé un petit peu par Ning. Ning qui nous prend un Olaf. Finalement, le Olaf, c'est un pic qu'on n'a pas beaucoup vu pendant ces Worlds, si ce n'est pour les équipes chinoises. Qu'est-ce que tu en penses du pic actuellement de Joko? Je pense que c'est assez faible parce que tu n'as pas trop d'escape. Et vu que là maintenant, la méta, ça bouge un peu dans tous les sens. C'est dur, mais au final, comme on l'a, on peut voir, il part 1v5 et... Et il s'en fout quand il est à l'aise, il tue le mec, il se barre et puis rien à bol, il va, il est bien. Donc je pense que c'est exactement l'exemple comment il faut jouer Olaf, il faut y aller, et voilà, la tête la première. À n'utiliser que si tu as une gate de Jace ou la boule d'Orianna ou sinon ça peut se jouer tout seul. Ça peut se jouer tout seul, mais c'est un peu plus dur, quoi. Genre là au moins tu sais que t'as un peu de backup et c'est ce que tu sens le pic, il manque juste un peu de mobilité, une Sivir, une Janna ou ce genre de truc et tout de suite ça fait des miracles. Voilà, on l'a vu son itemisation Conqueror, mais derrière on part visage spirituel, comme ça on est un peu la front line, on peut go in. Finalement c'est vrai qu'il remplit pas comme tu le disais tous les emplois hein, quand d'un Jarvan ou d'un Lee Sin qui peuvent être initiateurs. Lui ses initiations elles sont très fortes early mais elles se réduisent au fil de la partie. Vous voyez ici le Nashor qui a été tenté par Rainbow qui avait son smite. Ouais, son smite, dommage, hein, parce que t'imagines s'il arrive à le flash smite, ouais. C'est le hero play et comeback. C'est aussi, je pense, à travers ses plays, on voit qu'IG, malgré qu'ils gagnent, qu'ils ont un gros avantage, ils laissent quand même des comebacks, des windows. Mm. Je trouve que IG va devoir level up pour pouvoir. Ça aurait pu être plus clean, Pour pouvoir jouer à un haut niveau. Quand vous voyez cette game, vous vous dites. IG est en mode tranquille, ils commencent leur journée, ils boivent leur café, ou vous dites juste au final ils savaient pas trop comment ce qui allait se passer face à HQ, du coup ils la jouent safe.
J'ai l'impression qu'ils ont un peu de disrespect sur certains moves. Tu voyais beaucoup de disrespect, tout simplement. Et les mecs, ils allaient un peu trop loin et ils testaient un peu les limites. On a vu Rookie essayer de voilà quelques grabs qui lui effleuraient les oreilles. Comme tu dis, les équipes chinoises, elles ont tendance un peu à dès qu'ils ont un avantage ou une game qu'ils croient qu'ils peuvent gagner, ils ont tendance à s'emporter et à avoir trop de confiance. Ouais. On dit souvent de Invictus Gaming, quoi que vous pensiez, eux ils vont fight, donc vous avez intérêt à fight back parce que de toute façon Invictus va fight, quoi qu'il se passe. Exactement. Les Happy Games, hein, comme on les appelle. Ouais. Exactement, des Happy Games, ça arrive également. Bon, Invictus Gaming pas très clean, mais qui remporte son troisième match, du coup sur quatre matchs à disposition. Donc pour l'instant, ils sont virtuellement toujours qualifiables. Évidemment, ils prennent la tête de leur groupe, mais le classement est amené à évoluer. On n'est qu'à la première journée, première game de la journée. On a un Team Liquid Dame One, messieurs, ça va être un gros match à suivre parce que ça pourrait être l'office de la deuxième place, ça pourrait être également le début d'un enfer pour Team Liquid ou d'un rêve éveillé pour toutes les équipes américaines qui regardent, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez de ce futur match? Moi, je suis derrière NA, en fait. Genre, même si il y a un peu cette rivalité entre eux et NA, je trouve que Team Liquid ont fait un parcours magnifique sur cette année et je pense qu'ils ont leur chance, ils ont les outils nécessaires, après à voir s'ils ont le mental qui suit. Silbac, alors Canyon, j'aime bien Damwon Gaming, j'aime vraiment bien leur top side, top mid, jungle, je trouve qu'ils sont toujours là en train de carry, donc je suis pour eux, mais Team Liquid sont quand même là, mais on peut quand même voir que les équipes coréennes sont quand même un peu au-dessus du lot. Partagez dans le chat, partagez sur le plateau, bah voilà, on va se faire son avis dans quelques minutes, à tout de suite.